on devait faire une répétition à 4. Et puis on s'est retrouvés à 2. Et on a dit hors de question qu'on se prive du plaisir de jouer. Et finalement, on a commencé aux alentours de 20h30, je pense, comme c'était prévu. Et à 9h le lendemain matin, il y avait un MySpace avec une petite dizaine de titres dessus. On avait bien travaillé, mais pas beaucoup dormi. On essaye de faire un petit peu le pont entre des musiques de jazz, ne pas oublier l'histoire du jazz, on va dire, et puis y mélanger des inspirations beaucoup plus électroniques. Souvent, on obéit à nos envies du moment. Voilà. Je m'étais fait plusieurs morceaux fragmentés, on va dire. J'ai proposé les fragments à Pierre. Et voilà, on a composé vraiment ensemble avec des morceaux du puzzle, un peu électronique pour ma part. Pierre a assis le tout avec une part acoustique, mais comme il est aussi, comme moi, fan de tout ce qui est technologie musicale, vraiment ça a pris naissance ensemble. Et à chaque fois, quand on se voit, je lui propose des choses, des parties, des bouts de musique, ce qu'on appelle des samples que j'ai piochés ailleurs dans des vieux enregistrements, etc. Et Pierre me dit, là, on peut faire ça, là, ça donnera ça, voilà. On essaie aussi, avec nos deux possibilités, donc de jouer dans une formation plus orgue et sax, et ensuite d'amener petit à petit plus d'instruments électroniques. On a ces deux possibilités. En général, ce qui se passe, c'est qu'on fait un set orgue et sax, donc vraiment plus jazz et avec des influences soul funk. Et puis ensuite, la partie plus électronique à partir du deuxième set. Et c'est rare qu'il n'y ait pas de troisième set. Voilà. C'est hyper nourrissant pour un musicien, je trouve, d'avoir des réactions du public. Donc même si c'était pour jouer dans ma cave, mais qu'il y avait un bon public, ça serait aussi plaisant pour moi que de jouer sur une grosse scène à New York.